La meilleure méthode, c'est l'abstinence. Si vous vous trouvez incapable de vous abstenir, alors adoptez les méthodes contraceptives. Les grossesses en milieu scolaire au Bénin font plus de victimes. 2763 cas enregistrés pour l'année scolaire 2016-2017. C'est immense, n'est-ce pas? Lorsqu'on en est là, il faut bien se demander ce que deviennent ces jeunes filles, les décisions qu'elles prennent et surtout les stratégies pour réduire le nombre de grossesses d'adolescentes. Bonjour, je suis Xavier au Bénin pour les haut-parleurs. Une des causes des grossesses précoces, c'est la pauvreté. En quête de subsistance, des jeunes filles sont appâtées par des garçons un peu plus fortunés. Victime à 14 ans, une jeune collégienne témoigne de sa mésaventure. À Port-Novo, certains parents se mobilisent chaque lundi de semaine pour échanger avec la jeunesse de leur quartier. À Guéry, ces jeunes se prononcent sur la question des grossesses précoces des jeunes filles. Les gars d'aujourd'hui, c'est l'argent qui met devant nous les filles qui sont ambitieuses. Si tes parents te disent qu'il ne faut pas faire ça, tu fais ça, tu es foutu. Il ne faut pas écouter ce que les garçons te disent. Si tu écoutes, tu vas te dire les choses que tu ne voulais pas entendre. Tu vas te donner en grossesse. C'est pas bon. Les grossesses chez les jeunes filles ont des conséquences scolaires, sociales, physiques et psychologiques. Souvent rejetées par leur famille, elles sont contraintes d'arrêter l'école et doivent faire face à la fuite de responsabilité de l'auteur de la grossesse. Éduque fille-mère parvient à leur trouver des financeurs pour que certaines filles reprennent les études. Je crois qu'une fille qui a bénéficié d'une bonne éducation de qualité peut changer son avenir et celui de sa descendance. La méthode de Mendel, d'accord ? C'est la méthode qui consiste à la jeune fille qui a la maîtrise de son corps, qui a un cycle stable, d'accord, de faire des calculs pour maîtriser la date de son ovulation. Le thème de notre campagne, c'est la sexualité réfléchie. Nous leur disons clairement que si vous voulez aller, la meilleure méthode que vous avez à utiliser, c'est l'abstinence. Si vous vous trouvez incapable de vous abstenir, alors adoptez les méthodes contraceptives. Des méthodes enseignées, il y a le port du préservatif, le calcul des règles et la maîtrise de la libido. Mais les actions de Serge ne s'arrêtent pas qu'à ces campagnes de contraception dans les zones déshéritées. Il se rend dans des familles pour également donner des cours d'éducation sexuelle. Les parents doivent savoir qu'ils ont le premier rôle à jouer dans cette affaire. S'ils peuvent intensifier le débat parents-enfants sur la sexualité, et cela sans tabou. À l'entourage des adolescentes, il est essentiel d'entourer d'affection les jeunes mères pour leur équilibre psycho-affectif et celui de leur enfant à naître. N'oubliez pas, c'est toujours les haut-parleurs. Abonnez-vous.